Ben, je suis là tout simplement pour être aux côtés des citoyens comoriens qui aujourd'hui réclament plus de démocratie dans l'archipel des Comores, qui réclament uniquement plus de justice, plus de clarté et qui réclament aussi l'apaisement. Aujourd'hui à Marseille, derrière moi vous le voyez, c'est un rassemblement pacifique uniquement pour demander plus de droits, plus de sincérité et plus de démocratie à l'intérieur de l'archipel des Comores. Comme vous l'avez dit, on a vraiment une situation électrique aujourd'hui après les élections. Une situation électrique et une situation qui est dénoncée notamment par les citoyens, mais aussi par tous les courants politiques. Moi, je ne suis pas là ici aujourd'hui pour dire que je suis avec un tel ou un tel. Je suis là aujourd'hui pour dire que, comme l'a dit l'Union africaine et aussi l'Union européenne, pour que voilà, demain, on puisse remettre en place un dialogue dans l'Union des Comores, se mettre autour d'une table pour discuter, pour remettre la démocratie au centre du débat. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que clament, je pense, tous les citoyens. Ils ne clament pas de se faire justice, mais ils clament juste de mettre en place une situation qui s'apaise. On est regardé, et l'archipel des Comores est regardé au niveau international, elle est regardée sur toutes les scènes internationales, elle est regardée par l'Europe, elle est regardée aussi par l'Union africaine. Et il faut montrer aujourd'hui que la situation va s'apaiser par le dialogue. Je pense que vraiment, il faut remettre le dialogue en place dans l'archipel des Comores. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence. Je pense que le peuple comorien et les citoyens comoriens sont capables de gérer leur pays. C'est une archipel riche, riche en économie, riche en citoyens, très très intelligent, riche en une jeunesse qui a vraiment et qui aspire vraiment à plus de démocratie. Donc je pense vraiment que les citoyens comoriens peuvent se saisir eux-mêmes de leur destin et ils le font tous les jours, on le voit aujourd'hui même en France. Je pense que la situation est tellement électrique que le président doit se saisir vraiment de cette situation. Il ne faut pas laisser cette situation se tasser parce qu'elle ne se tassera pas. Elle ne se tassera pas si la population ne se sent pas écoutée. Je pense qu'on est assez civilisé, on est assez intelligent pour pouvoir se mettre autour d'une table et pouvoir discuter calmement, pacifiquement, pour que demain l'archipel des Comores puisse rayonner au niveau international et pour que demain l'archipel des Comores soit un modèle pour tous les pays africains. Merci beaucoup, docteur Sarah. J'espère que je vous souhaite déjà une bonne chance pour les élections. Merci, j'espère que vous allez tous voter pour moi le 26 mai prochain. Bien sûr, merci beaucoup, madame.